Hello à tous mes petits amours, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais bon, j'ai pris quelques jours de congé, donc vous m'avez extrêmement manqué. Alors, mais écoutez, on va regarder un petit peu les messages pour vous et votre autre. Alors, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace au niveau de ta personne et de toi? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ton autre? La personne que tu affectionnes. La personne qui est dans ton cœur. Voyons voir. Pour la personne de ton cœur. Et pour toi. Le lien. Hop, voyons voir. En dos de deck, ici, nous avons une peur de l'engagement. Donc, bon ben voilà, on voit quelqu'un ici quand même qui se pose pas mal de questions. On a peur de ce qui peut arriver. On a peur du lendemain. On a peur. D'accord? Donc, peut-être qu'on a aussi beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, vraiment quelque chose d'absolu. Alors, j'ai entendu abstinence encore, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est quelque chose de non consommé. Peut-être plein de choses. Mais on sent quand même beaucoup, beaucoup de sentiments d'amour et de prise de tête. Tu vois, on a un gros cœur au niveau du visage, donc beaucoup de sentiments, mais la peur du lendemain. Ok, c'est pour cette raison ici qu'on a de l'hésitation. On peut avoir aussi pas mal le cœur brisé ici. Évidemment, hein, quand on n'est pas avec la personne du cœur, évidemment que on peut avoir le cœur brisé. Allez, on y va. Pour toi qui me regardes. Ici, on te dit que tu vas avoir des nouvelles, ok? Alors, texto, SMS, appel téléphonique ou carrément le fait de voir ta personne, ok? Tu vas discuter avec lui ou avec elle. Pour ton autre, eh bien, c'est coup de foudre. Donc, je sens ici qu'on a quand même deux personnes qui sont extrêmement en mode love, love, tu vois. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. Et on voit aussi qu'au niveau de ton autre, il y a un coup de foudre. Votre lien. Ou il y a une attirance physique. C'est dans le sens où on bouillonne peut-être. Il y a le fait de bouillonner peut-être l'un pour l'autre. Ah bah carrément en fait. C'est ça, j'arrive. Alors, on continue. En fait, tu sais, j'avais les chats qui étaient en train d'un peu de se titiller, tu vois, même voir carrément de se prendre la tête. C'est pour ça que je vous ai quitté 2 secondes là. Donc, est-ce que c'est la même énergie pour toi et ton autre? C'est possible. Alors, bah écoute, on te parle ici d'une ouverture. Je pense ici que ta conscience, que tu es sur ta destinée et qui se cache derrière la porte, c'est quelque chose de beau. Parce qu'il y a quelque chose derrière cette porte. Quelque chose de beau. Quelque chose qui va te remettre du baume au cœur. Quelque chose qui va te remettre le pied sur l'étrier. Quelque chose qui va te rendre fort. Okay? Et même au niveau énergétique, j'ai l'impression que, il y a quelque chose qui te rend, qui va te rendre bien. Ok. L'empereur et l'impératrice. L'empereur et l'impératrice. Wow. Miroir magnétique. Il y a la maison. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que derrière le miroir, il y a comme l'ouverture d'une porte sur un nouveau monde. Alors, peut-être aussi déménagement hein, pour certaines personnes. Hein, le fait de, ouais, le fait de toucher peut-être une somme d'argent. Il y a un homme aussi. Il y a une tranquillité avec cette personne, avec cet empereur. J'ai l'impression aussi qu'on sent des discussions. Entre l'empereur et l'impératrice. Ok. Et un peu de discutation sur l'empereur et l'impératrice ici. Mais
Moi, je vois qu'ici, on a envie d'être tranquille dans une maison, dans un endroit. Et j'ai l'impression ici que c'est sur ça que tu vas. Ok? Bah écoute, on y va. Une pour l'empereur. Une pour mon empereur. Il y a des contrats, hein. Donc signature, je sais pas, le travail, se projeter pour quelque chose d'autre dans sa vie. Ok, l'impératrice. L'impératrice. Regarde-moi ça. J'ai l'impression que ben, c'est lié tout ça. Hein, il y a une sorte de liaison entre les deux. Il y a des contrats aussi peut-être entre vous deux. Hein. Regarde, qu'est-ce qu'on a en dos, deck. Nous avons l'ouverture hein, qui revient. Donc ici, on te dit clairement que l'ouverture là, cette ouverture en fait qu'on est en train de te... qu'on est en train de te... qu'on est en train de te... Excuse-moi, je regardais Nala. Cette ouverture qu'on est en train de te prévoir ici, ça va te faire du bien dans tous les sens du terme. Et j'ai l'impression qu'au niveau de cet amour, il y a un équilibre qui se met en place. Je pense aussi que tu es le miroir de ton autre. Le lien. Ou séparation. Donc, ok. Mais ça vous donne quand même la victoire. Donc, est-ce que là, vous allez être séparés un petit moment? C'est possible, mais ne t'inquiète pas parce qu'on dit ici avec la projection qu'on va voir clairement, on se voit, on se sent. Puis on te dit que tu vas peut-être aussi avoir des nouvelles. Alors, on sent aussi quand même qu'il y a un peu de jalousie, n'est-ce pas? Et on le sent, on le voit, mais c'est pas grave. Ok, donc il y a une séparation, une petite séparation peut-être qui s'annonce avec ton autre, d'accord? Bon, bah écoute, j'ai envie de te dire, c'est pas grave, hein, ça peut être aussi le fait de voyager pour le commerce, pour le travail, pour les vacances, pour des contrats, pour beaucoup, beaucoup de choses. Pour la famille aussi, ou tout simplement les vacances, d'accord? Ok, donc moi je sens que c'est super beau ici, hein. Je sens quelque chose de super, super beau. Ce contrat, j'ai l'impression qu'il y a une liaison avec l'impératrice. D'accord, carrément. C'est comme si on s'allie, on se... Comment on dit? On se... Tu sais, on travaille ensemble, en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'as vu, on a encore cette notion de roue. La roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle, de nouvelles ères s'offrent enfin à vous. Avec le chiffre 11, la flamme jumelle. On te dit ici de faire attention à tes rêves. Parce que je sens aussi que tu peux avoir des songes, des rêves au niveau de ta vie. Oh, j'avais pas vu ça en fait. Ok. Donc, des songes au niveau de ta famille, au niveau des gens que tu qui t'entourent, au niveau de, aussi social, au niveau social, au niveau des réseaux sociaux. Et nous avons ici l'archange Michael qui vient mettre un coup d'équilibre, le monde céleste. Ouais, la tour. Ok. Donc là, il y a comme des révélations qui s'apprêtent à être là. Bon, attends, que je la remette droite parce que j'ai l'impression qu'il y a un schmilblick là. Ok, on y va. L'empereur, l'impératrice et le lien entre ces deux personnes. Ok, l'empereur. S'il te plaît. L'impératrice. L'impératrice. L'impératrice, s'il te plaît. Ok. Une petite deuxième possible ou pas? Pour ces nouvelles. Excuse, hein. Ah non. Voilà. Pour toi, mon impératrice, qu'est-ce qu'on te dit ici? Bon, bah écoute, attention, la jalousie, j'aime pas trop cette carte, hein, je vais pas te mentir. Donc là, on te dit qu'il y a quand même de la jalousie autour de toi, dans ton monde. Mais bon, ça n'empêchera pas ici, avec le 21, de te voir réussir. Mais j'ai l'impression ici que... Déjà, tu pars pour la fin d'un projet. C'est ce que je ressens. C'est comme si on est sur un nouvel air. Mais attention, parce qu'il y a des trucs un peu farfelus
dans ton monde, hein, la carte de la jalousie, la carte des blablas. Et tu dois le sentir, tu dois le voir. Hein? Bah oui, évidemment. L'empereur, bon, on a l'hiver déjà. Et on a l'archange Michael qui vient remettre un coup d'équilibre. Donc moi, j'ai envie de te dire que s'il y a des choses qui sont un petit peu, qui sont un peu gelées dans la vie de l'empereur, là, en fait, on te dit que l'équilibre est céleste. D'accord? C'est un équilibre au niveau céleste. Et j'ai le coup de foudre. Est-ce qu'ici aussi, on peut parler d'une situation qui avance lentement, hein, évidemment, avec l'hiver. Donc, ça avance très lentement. Et qu'en fait, bon, ben voilà, ici, c'est comme s'il y a une vérité, il y a la vérité, il y a l'épanouissement qui tombe, en fait. Hein, dans le sens où que on est obligé d'être équilibré dans notre vie, quoi. Regarde. Waouh, l'empereur. L'empereur qui arrive sur son cheval. Et tu vois, j'ai la notion encore de cheval ici. Regarde. Bon, il y a un schmilblick, 11-11. Donc, tu vois, il y a la notion aussi de déplacement. Peut-être un déplacement, peut-être aussi le fait de se reposer, un voyage. On a cette notion-là de voyage, de déplacement. Par contre, je sens ici beaucoup, beaucoup de jalousie. Alors, attends, je vais essayer de prendre d'autres lames pour voir un petit peu ce qu'on peut avoir de plus là-dessus. Je regarde. Peut-être celui-ci, allons-y. Il y a un petit focus là. J'aimerais bien que ça se remette. Ah, bah désolé, mes choubidous. Oh, j'espère que ça va se remettre. Hein. Sinon, c'est un peu. Sinon, ça va pas. Je suis désolée, mes choubidous. Hein. Alors, bon, écoutez, on va regarder avec quoi? On va regarder avec celui-là. J'avais un tarot de Marseille en tête, mais je ne sais pas du tout où il est. Alors, voyons voir. Ça y est, le zoom, il s'est remis. Hein. Bon, allez, on y va. Moi, je voudrais savoir pourquoi on a de la jalousie ici, aux côtés de l'impératrice. Mais tu vas le voir, hein, parce qu'on a le miroir magnétique. Et on a le 21, donc... voilà, dans un sens, je vais te dire que ça te touche même pas, mais il y a quand même le fait d'avoir de la jalousie ici. Alors. Bon, ici, on te parle d'une relation qui est éphémère et on te dit ici que tu vas avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui t'arrivent, d'accord? Donc, on dirait aussi que peut-être on peut regarder un film, aller au cinéma. Mais il y a quelque chose de flou. Vraiment, je sens ici qu'il y a quelque chose de flou. On va te... Tu sais, comme si tu vas avoir des nouvelles. Et on va te parler ici, peut-être pour une relation qui est éphémère. D'accord? Ça peut être aussi une relation où il n'y a que de l'attirance physique. Mais qu'à un moment donné, il y en a un là qui va vraiment tomber en amour. Tu vois? Vraiment. Et pourquoi ça peut être déclenché par rapport à de la jalousie qu'il y a autour de toi? Ça peut être aussi le sens que cette personne, elle va se rendre compte que tu lui ressembles plus que qu'il ou elle pensait. Et nous avons une relation qui est discrète. Ok? Donc, on te parle ici d'une relation discrète. Oh, triangle amoureux. Ça, c'est pas très joli. Donc, tu vois, il y a vraiment un zoom désagréable. Je suis vraiment désolée, mais je suis bidou. Donc, on te parle de triangle amoureux. On te parle ici aussi d'une période de 9 à 12 mois. On te parle, mon impératrice, d'une évolution de ton côté. Ça, c'est bien. On te parle aussi de l'ange de l'amour à gogo. Hein. Moi, je pense ici que mon impératrice, bah, tu es quand même bien dans ton élément. Et on te parle ici d'une nouvelle rencontre dans une période de 9 à 12 mois. On te parle ici donc de jalousie, attention.
Et on a la stabilité. Bon, bah écoute, j'ai envie de te dire que au niveau de. Parce que regarde quand même, hein, on parle malgré tout quand même de triangle amoureux et de jalousie, quoi. Tu sais, c'est comme si on veut pas voir, on veut pas, clairement pas voir. Je pense que mon impératrice, tu dois quand même faire attention autour de toi des personnes autour de ton empereur, parce qu'on parle ici évidemment de triangulaire, des choses qui sont pattes, qui sont farfelues, on ne va pas se mentir. C'est peut-être pour ça que tout est gelé dans la situation de l'empereur et que nous avons l'archange Michael, donc qui intervient évidemment parce que on ne peut pas vivre dans des situations compliquées comme ça, hein, d'accord? Il y a des choses, il y a eu un contrat, peut-être qu'on a affaire à une personne qui peut être engagée dans sa vie. Bon, pour d'autres personnes ici, on nous parle d'une relation qui va commencer. C'est une nouvelle relation qui va te permettre en fait de grandir, d'évoluer. Ça peut être ou l'un ou l'autre. Hein. C'est clair, hein? D'accord? Je regarde un peu plus loin cette nouvelle rencontre. Et j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre en fait qui sera très discrète. Peut-être aussi que tu quittes une histoire de triangle amoureux pour pouvoir avoir une nouvelle rencontre qui ne sera qu'à toi. Évidemment, nous avons encore des nouvelles. Donc, moi, je pense que c'est un nouvel amour qui t'est proposé ici, des communications avec cette personne. Le fait, peut-être, ouais, voilà, on a des petits cœurs ici. On a un petit, ouais, c'est vraiment trop mignon. Pour moi, ici, on a une nouvelle rencontre qui nous fait du bien ou qui nous fera du bien. Et on va quitter en fait tout ce qui est d'ordre jalousie, triangle amoureux. Bon, ok, pourquoi pas. J'ai l'impression ici qu'on va quitter tout ça. Il y a comme un véritable changement qui s'annonce dans ta vie là. Hein. Et ça sera comme une relation discrète. Qu'est-ce que cette personne, elle aimerait te dire? Et l'ange de l'amour, quoi. Et une évolution. Dans le sens où on veut vraiment pas. J'ai un autre message qui me vient. C'est en fait le message que cette personne elle va te donner. C'est comme un oiseau en fait. C'est le message va te venir. Hein. Il va te venir directement. Ça va te permettre d'évoluer. On dirait que cette personne va te montrer le chemin de l'évolution. Vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce couple? Ok. Je sens déjà que nous avons une excellente nouvelle qui va se présenter à vous. Nous avons toutes les cartes en main, donc voilà. Et on voit que cette personne, en fait, elle a toujours gardé espoir de te revoir. Donc, si c'est une personne qui a toujours gardé espoir de te revoir, évidemment que c'est une personne que tu connais. Et pour qui tu vas avoir des nouvelles. Cette jalousie-là. On te dit qu'il y a quelqu'un qui t'a menti pour te protéger de personnes toxiques. Qu'est-ce qu'elle fait là ici, elle? Ouh, on a l'empereur qui était caché là. Et on te dit quoi? Ben ouais, il y a eu une erreur de fait. On te demande de garder le calme. C'est peut-être le triangle amoureux. Il y a eu une erreur de fait. Il y a eu peut-être quoi ou qu'est-ce, mais voilà, l'erreur est humaine, j'ai envie de te dire. Ok? On te dit que tu arrives à un tournant de ta vie et qu'il faut que tu réfléchisses correctement pour ne pas te tromper. Donc, nous avons une nouvelle fois les contrats ici qui sortent. Excuse-moi. On te parle aussi de début de relation, de début de sentiment, hein, évidemment. On parle ici de cette rencontre et que c'est vraiment le bonheur. On parle ici d'un amour passionné. Mais attention au mensonge, hein. Moi, pour moi, en fait, votre relation ici, il peut y avoir aussi des personnes un peu bizarroïdes autour de vous. Hein. Vraiment. Il y a quelque chose en hiver. Il y a vraiment quelque chose en hiver. Peut-être un rééquilibrage, c'est ce que je sens. Et le fait de pouvoir se poser clairement les questions et les réponses. Hein. En fait, il y a un truc qui me vient, c'est qu'est-ce que tu veux? Le passé? L'avenir? L'instant présent? Évidemment, l'instant présent, mais est-ce que tu vas continuer à regarder le passé ou est-ce que tu vas regarder plutôt l'avenir? Vraiment, parce qu'il y a une rencontre, il y a une sagesse. On te dit que tu es sur la bonne voie et qu'il y a des opportunités qui s'annoncent. Tu vas avoir des signes de l'au-delà.
Et tu es sur un coup de chance. Et évidemment, tu vois là, c'est toute cette jalousie et cette tracasserie que tu peux avoir. On te dit que tu as la victoire sur eux, d'accord? C'est le triomphe. Ils pourront rien faire, ces gens. Ils pourront rien faire. Par contre, évidemment, qu'on te dit, attention, il y a des personnes toxiques autour de toi. Voilà. Ça peut être. Bref, on te dit qu'on t'espionne beaucoup et je ne sais pas, lors d'invitations, lors de rencontres, peut-être lorsque tu vas boire un verre, je ne sais pas, on te dit ici qu'il y a des personnes qui sont envieuses. Donc peut-être aussi que tu dois être un petit peu plus indépendant ou indépendante pour être plus vigilant sur la trahison. Ça peut être en sortie, hein. Méfiance. D'accord? Méfiance des personnes qui aiment commérer sur toi. On te parle vraiment. Il y a les trois cartes les plus toxiques hein, du jeu sur la jalousie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tu as la victoire sur eux. C'est tout ce qu'il faut que tu retiennes. Mais quand tu as ces énergies-là, vraiment, bof quoi. D'accord? Mon empereur vraiment te dit attention, il y a de la jalousie. Autour de toi et ton impératrice. Mon impératrice, c'est la même chose. On te dit qu'il y a de la jalousie autour de vous. Hein. Ok? Bon, on nous demande aussi ici de garder espoir parce que même si c'est un peu bloqué pour l'instant, bah écoute, on a un énorme coup de chance. D'accord? Ok. Parfait. Parfait, parfait. En fait, je trouve ça parfait. Tu es au courant de tout, tu es au courant un peu des. Voilà, il y a une notion de triangle amoureuse, il y a la notion, voilà, qu'il y a quand même des choses à régler dans votre histoire, mais rien n'est perdu. Pour d'autres personnes, on te parle donc d'une nouvelle rencontre, ça peut être très bien, et cette nouvelle rencontre, c'est une relation discrète, c'est un coup de foudre, et on te dit que bah, tu es en plein dedans et tu vas sur une évolution. Mais j'ai quand même en fait envie de pointer le doigt sur tout ce qui est d'ordre de la jalousie parce qu'on sent une énergie très lourde au niveau de ça. Hein. D'accord? Évidemment. Un message à donner pour les deux. Message pour l'empereur et l'impératrice. Un petit message. Tu vois, le balai plein de trucs comme ça là. Hein? Tu les vois, c'est la même chose que ça. Ok? C'est toxique. Ok? Alors, ici, on te parle de la fin d'un projet. On impose sa vérité, c'est ce qu'on te dit. Waouh! En fait, on va limiter les manipulations et en fait, on voit la fin. Moi, je pense que c'est la fin des illusions et on va prendre une décision dans le cœur, du cœur. Décision du cœur. Ok? Donc là, on est clairement sur la fin de quelque chose. Parce qu'on va imposer notre vérité, ça peut être clairement sur 3 jours. Une manifestation divine sous 3 jours. Et on parle ici que c'est la fin des illusions. On va prendre une véritable décision cœur à cœur. D'accord? Par rapport à tous ces mensonges qui sont cachés. Ben oui, de toute façon, c'est ça, hein, c'est ce qui se sente dans la lecture. Hein. J'ai l'impression aussi qu'on refuse certaines avances, peut-être, on refuse certaines choses. On a un déplacement ici, peut-être que tu vas être invité à un déplacement, mais peut-être bah, que tu vas refuser, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on a peur du résultat. Mais on te dit ici de sortir de l'ombre à la lumière, d'accord? Ok, et qu'est-ce qu'on a ici? On te dit que tu vas rencontrer cette personne. Il y a comme un silence qui s'installe avec lui, mais c'est une aide divine. D'accord? Donc, je pense ici que tout est dit. Il y a des vérités, des mensonges cachés qui vont être divulgués. On te parle de quelque chose d'ordre céleste au niveau de 3 jours. On voit que c'est la fin des manipulations. On va renaître de nos cendres et on te dit que là, on sort de l'ombre à la lumière. Et on reçoit un cadeau. Alors, évidemment, on fait attention aux cadeaux qu'on reçoit. Hein.
Et oui, alors on a une discussion sans fin. Curiosité toxique, donc attention aux personnes qui te posent trop de questions. Ok. Et on a un rencard d'amour. Et attention aux personnes qui te posent trop de questions. Si toutefois tu es un rencard et que la personne en face de toi, elle te pose beaucoup trop de questions, qu'elle est un petit peu trop curieuse, on te parle ici évidemment de jalousie. Infidélité, adultère. Donc, tu vois, j'ai l'impression que tout est lié, hein. On a la visite des amis et on te dit de faire un nettoyage intense. Ok? Pour ce nouveau départ. Parce qu'il y a un nouveau départ qui s'annonce pour toi. Mais voilà, fais attention à toutes les personnes qui sont un peu trop curieuses. Parce qu'on sent que c'est toxique et on sent que c'est de la jalousie. Garde secret ton amour et on me dit pour vivre heureux, vivons cachés. Je pense que tu as toutes tes réponses. Petit choubidou, dis-moi en commentaire. Voilà, dis-moi tout en commentaire. Et je t'aime très fort. Et c'était Gabi.